Laurent Gbagbo réaffirme sa candidature aux élections présidentielles de 2025. Le président du PPACI l'a fait savoir le samedi 6 avril à l'occasion de la deuxième édition de rassemblement politique baptisé Fête de la Renaissance tenue dans la ville d'Agboville. Les militants du PPACI ont présenté ma candidature depuis que je suis revenu. Ils me tarabistent pour que je sois candidat. J'ai fini par dire oui. Même s'il manifeste avec sérénité cette volonté de candidater aux élections présidentielles de 2025, Laurent Gbagbo reste pour l'heure inéligible en raison de sa condamnation pour l'affaire dite du braquage de la BCAO. Condamnation pour laquelle il a été gracié par le président Alassane Ouattara. Je ne suis pas coupable de braquage de banque centrale, ni de banque tout court. Je ne suis pas coupable de ça. Les militants sont déjà en ordre de marche pour l'élection qui doit se tenir dans 18 mois. À Agboville, ils ont défilé en chantant à la gloire de leur président. Ils restent mobilisés pour celui qu'ils appellent le démocrate. Nous le soutenons. La preuve, vous voyez, cette foule immense. Ils sont venus de partout. Abidjan, du nord, de l'ouest, de l'est. Pour se mobiliser, pour se démocrate. Pour l'heure, outre Laurent Gbagbo, aucun poids lourd politique ne s'est encore officiellement déclaré candidat à l'élection présidentielle.